Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Band dans une autre vidéo hors du commun. Aujourd'hui, nous avons envie de vous dire qui sont réellement les démons. Waouh, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Waouh, comme vous le savez déjà, ça va être chaud et on parlera des démons. Mais qui sont les démons? Mes frères et sœurs, si on vous a dit autre chose que ce qu'on va vous dire ici, sachez que c'est du mensonge. Nous savons tous que les démons, ce sont des anges qui sont tombés du ciel avec le diable, Satan, Lucifer, lui-même. Oui, et ces démons sont tombés dans divers endroits, dans l'eau, dans les forêts, un peu partout. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont des satanistes et des sorciers peuvent rentrer en collaboration avec eux pour pouvoir tout simplement travailler avec eux. Les gens obtiennent des puissances surnaturelles, même d'autres vont faire le pacte avec le diable lui-même pour avoir de l'argent. Et ces choses sont réelles. Et peut-être que vous les avez déjà vues dans les dessins animés ou encore dans les films. Et nous allons vous dire que ce que les gens vous représentent dans les films, comme les démons, toutes ces histoires, ne sont pas loin d'être la réalité. Mais en réalité, les démons sont 10 fois plus fort, 10 fois plus puissant qu'eux. Et vous, quand vous êtes un chrétien, vous ne devez pas avoir peur des sorciers, ni des satanistes, ni des démons, même du diable lui-même. N'ayez pas peur de lui. Pour que les gens puissent bien voir qui sont les ennemis et découvrir qui ils sont réellement, c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo et nous sommes là juste pour découvrir les images qui vont venir. Et là, ça va être chaud. Regardez déjà l'écran. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Ça, c'est un démon et il est censé représenter l'ange de la mort, le démon de la mort. Pourquoi? C'est parce que sa tête est carrément un crâne. Un homme normal ne peut pas être comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle tête de mort. Un homme normal ne peut pas être comme ça. Donc là, on peut dire sans même rien se tromper que c'est un démon de la mort qui est là. Et c'est réel. Tout ce que nous vous présentons, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. Vous allez vous poser la question, mais comment les gens ont pu voir ces choses pour nous les représenter ici comme ça? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui rentrent déjà en contact avec des démons, il y a des satanistes, il y a des médiums. Ces gens-là, ils ont des yeux spirituels, ils ont un troisième œil qui leur permet de voir à des milliers de kilomètres, même de voir les démons. Oui, et ils savent réellement que ces choses-là existent. Mais le problème, c'est que ils voient ces gens de créatures et ils viennent les représenter sous forme de dessins comme ça, comme ce qu'on voit à l'écran. Et nous, on pense que c'est juste pour le fun, juste pour la blague et que ces gens de choses ne peuvent pas être réels. C'est réel. Et ces créatures-là chuchotent aux oreilles des gens. Ils chuchotent aux oreilles des gens de mauvaises pensées pour leur conduire tout droit vers le péché qui mènera à la mort. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, quand il est alcoolique, cet homme va passer le temps à boire. Et il ne sait pas qu'il y a plusieurs vilains démons comme ça qui sont en train de lui chuchoter aux oreilles, va boire, va boire, va boire. Ou bien si tu es dans la masturbation, on te dit va te masturber, va te masturber, va te masturber. Et quand toi, tu vas aller commettre le péché, ou encore quand tu vas aller te mettre à boire, le jour où tu vas mourir, tu vas perdre la vie, on ne souhaite pas, hein, mais si tu es mort dans ça, tu vas rencontrer ces démons-là même qui t'a poussé même dans ces péchés-là. Et tu vas le voir comme ça. L'air! Même il y a plein de femmes qui ont des rapports sexuels avec des gens dans leur sommeil. Et pour elles, ça leur fait plaisir. Mais en réalité, ce démon-là, avec qui tu as des rapports sexuels, il est l'air comme ça. Et il te regarde. Et il te voit. Ma soeur, mon frère n'aime pas ces choses. Si tu fais des songes, des rêves où tu vois, tu te couches avec même des femmes. Les femmes, elles sont laides comme ça, elles sont vilaines, elles ne sont pas jolies. Et regardez comment les gens rencontrent les démons et collaborent même avec eux. Regardez ça. Ça, c'est un magicien. Il a même le livre de magie sous sa main comme ça. Et il est en train même de manipuler les démons. Poser même avec le démon, lui dit ce qu'il doit faire. Et il soulève juste la main. Et ce démon-là fait des choses en fonction de ce qu'il fait avec sa main. Et c'est réel. Mais lui, à la fin, ce démon-là va le détruire. Va même le torturer en enfer pour lui dire que on t'a servi longtemps sur la terre, maintenant c'est à toi de nous servir, c'est à toi de nous servir.
et ces démons-là vont maintenant apparaître devant lui. On ne joue pas avec les démons. Même les gens qui cherchent à rentrer en contact avec les morts. Ah, les gens sont morts, tu rentres en contact avec eux. Il y a des démons qui se trouvent même dans les airs comme ça. Les gens veulent rentrer en contact avec ces démons-là. Et les femmes. Les femmes aujourd'hui, elles veulent ressembler aux démons. Elles mettent souvent des ailes comme ça. Même si vous voyez une femme avec de telles ailes comme ça, ne vous dites pas que c'est un ange. Un ange que vous allez voir dessiné ainsi, c'est un démon. Faites attention. Et les anges et les démons ne peuvent pas collaborer ensemble. Il n'y a pas un lien entre les deux. Comme vous le voyez ici, c'est impossible. Donc, dès que vous voyez ça, sachez immédiatement que les deux sont du même camp. Et ces choses sont réelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que les sirènes également sont des démons. Même si elles ont l'air d'être une femme, des femmes avec la queue de poisson. Regardez comme cette fille-là. Vous avez vu ça? Ces choses sont réelles. Faites vraiment très attention à ne pas vous laisser toucher par le diable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse votre soeur. Pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Wouah! C'est extraordinaire! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquer sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh! Merci beaucoup.